Marion. Ça va bien ? Ça va très bien. À l'aise ? Très à l'aise. Facile. Alors pour vous, on peut simplement parler de révolution. Oui, il faut dire qu'on en reçoit beaucoup, hein, Marion, des livres à Europe 1. On en lit pas mal et c'est vrai qu'on apprend pas toujours des choses. Hein. Il y a des livres meilleurs que d'autres, mais alors là, votre livre, Elisa Brune, comment dire ? Alléluia, Labo Sexo, le livre qu'on attendait tous. Quand je dis on, je parle au nom des hommes, mais aussi au nom des femmes, puisque sans trahir de secret, voilà le SMS que j'ai reçu ce matin à 8h30 d'une certaine Marion Ruggieri. Tout est véridique. Hey, j'ai appris des trucs de ouf sur le plaisir féminin grâce à ce livre. Il y a tellement de trucs, dit-elle avec beaucoup de elle, t'imagines. Et là, elle me dit, hein, les meufs peuvent jouir en dormant, tu te rends compte, sans se toucher avec la voix. Et Marion conclut son SMS ce matin à 8h30 alors que j'étais avec mes enfants. Non mais les mecs, en fait, c'est nul à côté. Fin de citation. Maintenant, on est trahis. Je ferai attention à ce que je vous écris dans mes textos. Alors, quand vous dites c'est nul à côté de quoi, j'ai pas trop compris. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, ce livre, quand on est un homme, on peut le prendre de deux façons. Soit comme l'a pris Marion, les hommes en fait ne servent à rien. Allons même plus loin, les femmes peuvent très bien se passer de nos pénis. Pourquoi ? C'est pas du tout ce que j'ai dit. Hein. Ah, attendez, on continue. Vous surinterprétez. Parce qu'on apprend qu'effectivement, une femme jouit beaucoup plus souvent quand elle s'amuse seule qu'accompagnée. On apprend qu'une femme peut jouir par hasard, au cours de gym, à cheval, à vélo. On apprend que les femmes peuvent atteindre l'orgasme en prenant une douche, en plein examen, en dormant, en cas d'anxiété, etc., etc. Bref, l'orgasme peut arriver n'importe où, n'importe quand. Puis, malheureusement, il arrive à beaucoup de femmes que cet orgasme n'arrive pas, n'arrive jamais en présence de leur mec. Conclusion hâtive donc, peut-être la vôtre Marion, l'homme ne sert à rien, rien de tel qu'un vélo. Bon, on peut aussi... Conclusion très hâtive et très déplaisante. On peut aussi, Marion, heureusement, lire votre livre d'une autre manière. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film American Pie, sorti en 1999, film qui a servi de cours d'éducation sexuelle à toute une génération, dont la mienne. À un moment dans le film, un jeune homme de 15-16 ans demande à son frère un conseil pour faire atteindre l'orgasme à sa partenaire. Et là, il lui dévoile le secret des hommes, le livre secret, où seraient inscrits tous les petits trucs, justement, sur le plaisir féminin. Au départ, c'était un manuel de sexologie qu'un mec avait rapporté d'Amsterdam. Chaque année, on le passait à celui qui le méritait. Maintenant, il y a tout ce que les mecs y ont rajouté, leur expérience personnelle. Tu gardes le secret et tu le remets bien en place à la fin de l'année. Voilà, tu sais tout. Bonne chance. Voilà. J'aime beaucoup vos références, Benjamin. J'avais 14 ans, on a les références que l'on mérite. Alors à l'époque, je me disais, mais à quand la publication d'une Bible comme celle-là ? Une Bible qui nous aide à comprendre les femmes et surtout à y comprendre quelque chose sur ce vaste sujet qu'est le plaisir féminin. Et donc, là aussi, alléluia, American Pie l'a imaginé, Elisa Brune, vous l'avez fait. Cette Bible existe désormais, autant vous dire que mon exemplaire, je me le garde, contrairement à d'habitude où on me pique tous mes bouquins. Alors il ne faut pas s'attendre bien sûr à des conseils très concrets sur comment s'y prendre très précisément. Le sexe n'est pas une science, il me semble. Il n'y a pas une bonne technique mais plein, tout comme vous écrivez, il n'y a pas un orgasme mais plein. Mais donc, pour résumer, votre Bible nous apprend, m'a appris, les ressorts du désir, de l'orgasme, des fantasmes, du point G, des stimuli, des zones érogènes chez la femme, bref, il nous dit tout. Votre éditeur précise que vous avez voulu, avec ce livre, informer les femmes sur leur sexualité. Moi, je vous dis qu'il apprendra aussi beaucoup de choses aux hommes qui le liront.